Hey, salut les petits clous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour s'ouvrir une petite encore ETB, force temporelle. Allez, et bien entendu, on se garde ça au chaud de côté. On va s'ouvrir ça prochainement aussi. On verra quand, mais bientôt. On se rouvrira la deuxième display de tempête argentée. Il nous reste encore un petit bundle de dessinés Padéa qu'on s'ouvrira encore sur la chaîne. Et pour les 900 abonnés, j'ai décidé qu'on s'ouvrirait ces deux coffrets Pikachu pour les 900 abonnés. Plus bien entendu d'autres items en même temps. Mais j'ai décidé que ouais, les coffrets, je vais les garder pour les 900 abonnés qui arrivent d'ici ben, 48. Il manque 48 abonnés pour arriver aux 900. Donc voilà, ça peut se faire assez vite et on s'ouvrira ces jolis coffrets, des coffrets dessinés radieuses du Pikachu. Voilà, samedi, dimanche à la brocante, bien entendu. Alors j'ai trouvé ce petit classeur, un pack des destins. Voilà, tout petit, avec quelques cartes dedans. Voilà, je vais vous montrer vite fait ce que c'est. Elles sont abîmées, celles qui sont dedans, elles sont encore abîmées. Donc je vais passer vite, il n'y a pas grand-chose là-dedans. Voilà, les plus jolies sont là, mais il n'y a pas non plus exceptionnellement de choses. C'est des trucs d'un pack des dessins que j'avais déjà. Un joli Amphinobi, le joli Pikachu Catcher qui sort du deck Pikachu. Alors à l'époque, bien entendu, le Suicune qui sort du deck Suicune aussi. Donc les high-tech de l'époque, avec un garde-roche. Le Floramantis. Donc ça, c'est deux Soleil et Lune de base. Tangalix X. Altaria X, c'est un pack des destins aussi. Le Mantali qui sort du deck Mewtwo. Un joli Dracaufeu qui sort de Majesté des Dragons, celui-là. Alors là, c'est le Dracaufeu, bien entendu, du deck. Avec le reste-pincelle du deck. Tout était dans le classeur que je vous ai mis. Hein. Le joli Givrali. Le beau Zekrom aussi. Le Léviator. Un petit Mantali. Ectoplasma VMAX de points de fusion et un Demeteros en promo. Voilà, c'est la BW79. C'est une holo. Allez, là, on va s'ouvrir ce coffret dresseur d'élite. On est parti. On a assez parlé. Flash aux choses sérieuses. Parce que là, il va falloir qu'il y en ait une qui sorte quand même. Il va falloir que ces alternatives elles sortent. Il faut qu'elles arrêtent de se cacher. Il y en a marre. Allez hop, les 9 boosters, la carte promo, le flotte mèche promo, on va le laisser par là. Voilà, il est bien là. Le code de l'ETB pour vous, faites-vous plaisir. Et après, on a tout présenté déjà, on n'a pas besoin de les voir. On enlève les boîtes, on balance tout. 3, 6, 9. Donc, la dinguerie, faut qu'elle soit là-dedans. Par contre, les boosters, ils sont tous plein d'air, ça fait bizarre. On dirait, quand on les tasse, ça fait un coup d'air parce qu'ils sont, ouais, ils sont vraiment plein d'air. D'habitude, il y en a qui sont sous vide, mais ceux-là, plein d'air. Alors, le code est visible, donc c'est du belge, tout simplement. Des éditions en Belgique. Allez, c'est parti. Fantominus. Thiboudet. Archéomyr. Victini. Tête de fer. Beraska, tondeuse de main, Padaitec, avec forteresse. J'ai dit ça colle, mais non, ça, je me suis fait des idées. Les boulets roux, c'est qu'elles accrochent ces cartes apparemment et reliquant derrière. Bon, on commence par un booster vide, on va commencer commencer par une dinguerie, ça m'étonnerait. Allez, les petits codes, je vais commencer à vous en donner pas mal. J'en ai gardé assez. Raichu, Monsieur Mime, Columbo. On espère au moins avoir 3 hits dans cette ETB. Hein. Ça ferait du 1 sur 3. Ça ferait comme dans une display. Planche de sauvetage. Garde de fer. Allez. Premier reverse. Bourinos. Crocodile. Et garde de fer. Pour l'instant, il n'y a même pas une reverse que je vais mettre dans mon classeur. Hein. Bon, il m'en manque pas beaucoup, il doit manquer même pas 10 reverse, je crois. Il manque plus grand chose en reverse. À force d'ouvrir des displays, c'est vrai que les reverse, il y en a vite. Allez. Larvibule. Boltoutou. Par contre, je sais que Azumarill, par exemple, je ne l'ai pas en reverse. Charbi. Ténéfix. Hurlequeux. Il va falloir quand même sur le troisième booster va nous sortir quelque chose à un moment donné parce que ça va devenir compliqué. Ouais, ça va vraiment venir compliqué si déjà en trois boosters on n'a rien. Ouais.
J'ai bien vu, j'ai vu des ETB vides aussi, hein. Donc pas beaucoup, mais j'ai vu des ETB où il n'y avait rien dedans, donc ça fait un peu peur quand même, des ETB vides. Plus de 50 € pour une ETB où il y a juste la carte promo du coup. Donc ça fait un peu très très léger. Août, Bumata, Montracite, Nefli, Super Dauphin. Ah, il va nous sauver le Super Dauphin. Ah, Flamme Noir. Ah, celle-là, je ne l'avais pas en reverse, celle-là. Fantominus. Aïe, 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 4 boosters, voilà. 4 boosters. Juste une petite reverse à mettre dans le classeur. Ça fait mal. Ça fait mal. On va pas chanter. Sinon, ça va faire encore plus mal, là. Allez. Pikachu là, tu veux pas piquer, faire une attaque éclair là sur les boosters, là, les booster là. Booster les boosters. S'il te plaît, Pika. Tu les attaques là. On va faire peur, on va faire sortir des hits, s'il te plaît. Miss des bulles, pomme de pique, Poichijon, Scolossandre, Déflaisant, Jungle Périlleuse. Oh, une rouge. Une petite high-tech. Tambour réveil. Bon, j'ai pas eu la cape encore. Il ne manquera toujours que la cape. Elle partira dans mon classeur d'échange, mais je crois que c'est celle qu'on a eue la dernière fois. Hein. Il me semble que celle-là, on l'a eue la dernière fois. Rocabo. Et un petit Melmetal. Allez, on va dire un petit. C'est un petit qui va partir dans le classeur d'échange, bien entendu. Allez. Avec les petits carrés qu'on voit au dos là. Il faut les mettre comme ça, voilà, on les voit un peu mieux. Petite carte, allez, premier hit, on va dire. Il a fallu 5 boosters pour sortir un petit high-tech, tout simplement. Donc il va falloir avoir un peu mieux là. Est-ce qu'on les a tous gardés au chaud dans les boosters à la fin, là? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait là? Vu qu'en ce moment, on sort toujours tout dans les derniers boosters. Mais ça serait bien qu'on en ait des jolis temples au début, comme ça on souffre un peu moins déjà. Décodage des cryptomans. Bourrinos. Tu vas nous bourriner, Bourrinos. Allez, garde-fer. Oh, on n'a toujours pas. Par contre, les alternatives, laisse tomber, c'est un truc de malade. Hein. Oh, roc de fer. Roc de fer. Petit ex. Aïe, aïe, aïe. On dit que si on avait trop vite, c'était pas mal, mais quand même, il faut un peu plus gros, s'il vous plaît. Sinon, le TB, ça va pas être sensationnel. Hein. Pour l'instant, il n'y a rien de sensationnel. Un roc de fer, il va falloir faire beaucoup mieux. Hein. Allez, un petit Serpentot. Petit Serpentot. T'es capable de le faire. Petit code. Allez, on veut. Du lourd, un hein, topico. Garde de fer ici. Il ne veut pas rester. Midiéna, je l'ai fâché. Tortipousse. Abo. Fugudog. Galopa. Nétram. Tortipousse. Allez, il va falloir un jour, à un moment donné, sortir quelque chose. Pour l'instant, on n'est pas récompensé de tout ce qu'on ouvre. C'est un truc de malade. Tout ce que j'ai ouvert en booster, ça fait je sais pas combien. Parce qu'on a ouvert quand même 4 displays, plus oh, je sais pas combien de TB, quelques tripacks. Et 0 alt. 0 alternative avec tous les boosters qu'on a ouverts. On a eu quand même 2 gold au total. Mais voilà, c'est vraiment pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Doudoué, Pijako, Ponyta, Pelage Sablé. Surtout qu'il y a 10 alternatives. 10 alternatives, on y est toujours passé à côté. Bâton de masse. Loup-garoque. Et on y est passé encore à côté. Je crois que celle-là, je ne l'ai pas en reverse. Ouais, par contre, celle-là, elle tombe tout le temps. Bon, on a d'autres troisième hit, mais alors franchement, c'est waouh. Waouh, 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 waouh. Ça fait mal encore là. La chanson ne s'arrête pas, hein, ça fait mal. Le phare et girafe. Je me suis pas trompé dans le nom, ce voici. Bon, The Last Booster. On a une 3 hits, mais franchement, c'est nul. On peut dire le mot tout haut, hein, c'est vraiment nul.
On n'a rien eu dans cette ETB, on a eu 3 hits, mais rien du tout. Pas de foulard, pas d'air, pas d'alp ni de gold. C'est fou, c'est fou, c'est fou ce qu'on peut rien avoir sur cette série-là. Ça va, on va vite arrêter de cette série, je crois, d'ouvrir. Ça continue comme ça. Delcati. Bombidou. Wow. Charbi. Oh, Drailleul. Ouais, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Oh. Sachant ça, j'avais prévu un petit tripack de plus. Je me suis dit, si on prend une clim, on y a un tripack au cas où. Voilà, le petit tripack mélo. Voilà, on va mettre là. Voilà, le petit tripack, le petit code du tripack. Les trois boosters sont là. Donc c'est tripack que j'ai pris tout à l'heure à King Jouer à Cré. Voilà, je leur fais un coucou au passage. Mesdames, du King Jouer à Cré. Allez, c'est parti. On veut un booster. On veut un booster, on veut un beau booster. Et d'ailleurs, le code est à l'envers là. Donc ça doit être de l'américain. Tirage américain, carte de code, il est à l'envers qu'on ne le voit pas. Allez, Wagomine. Voskara. Dauphin. D'ailleurs, on les a pas vus d'ailleurs ces cartes-là tout à l'heure. Symbiose. Énergie, brume. Aidin. Boumata. Titaire. Bon, Flamiaou. On a déjà quelque chose sur le tripack, c'est déjà pas mal. Bon, Flamiaou, on l'avait déjà en double. Hein. Donc on l'aura deux fois en double, ce voilà ici. Bon, on l'aura plus qu'en double, celui-là. D'ailleurs, il a un petit impact, je sais pas si vous voyez. Un petit impact là. Très léger, mais on le voit là, ici, là, au bout, là. Il y a un petit... C'est très léger. C'est très léger, mais bon, il a un petit truc. Bon, de toute façon, c'est pas vraiment une grosse carte. Hein. Bon, elle est pas... Elle est toute belle, quand même. Oui, elle est toute belle, quand même. Bon, on va faire peut-être mieux sur ce tripack. On a déjà un hit au premier booster et on a mieux un hit, on a déjà mieux que sur le TB en elle-même. C'est déjà pas mal. Bon, le booster il s'est ouvert n'importe comment. En gros, on va le déchirer. Sinon, on va pas y arriver. Voilà. Allez. Voilà. Je casse tout. Le code est à l'envers, bien entendu. Allez. Deuxième booster du tripack. Greyena. Meios. Spectrum, Picard, Pikachu, décodage de Décryptoman, Netram, capsule énergie du capsule énergie booster du temps futur, Pifeuille, Flamanor, bah, je l'avais pas en reverse, mais je l'ai en double du coup, et Farfadet du V. Bon, je pense qu'on n'aura pas fait des miracles dans cette extension-là, et je pense qu'on n'en fera pas de miracle. Que ça veut pas sortir, ça veut pas sortir. Donc là, il y a un moment donné, il va bien falloir arrêter de continuer à sortir d'ouvrir ces paquets-là. Pantominus, alors j'ai encore une ou deux ETB à ouvrir, hein, c'est pas le souci, mais bon, c'est trop compliqué à sortir quelque chose déjà. Archéodong, capsule énergie booster du temps passé, Frissonil. Non, rien du tout aussi. C'est vraiment trop dur à sortir. Je vais dire 1 sur 3, on a une AR, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Bon, je ne fais pas le récap, c'est derrière. De toute façon, il n'y a rien eu d'exceptionnel dans cette vidéo. On a ouvert une ETB, un tripack, 4 hits. Il y a vraiment rien de fou, rien de bon. Voilà, c'est vraiment la série de la loose. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec cette série-là. C'est compliqué. Voilà, c'est très très compliqué à sortir quelque chose. Bon, je vous dis à vendredi pour de nouvelles ouvertures et salut les petits clous.